Eh bien, nous y voilà. Le grand escalier. Eh ben non. Non, on l'a déjà passé, le grand escalier, je suis bête. Et nous voilà, je crois, à une scène intéressante. Peut-être un combat intéressant. Well enough alone, huh? You just had to follow me all the way out here. How many times do I have to kill you? Eddie? Whoa, Eddie. It's me. Oh. Hi, James. Eddie, what are you doing? What's it look like I'm doing? You fat, disgusting piece of shit, you make me sick! You gonna cry, fat ass? You gonna run to your mama? Waste of skin, why don't you just kill yourself? Well, maybe he was right. Maybe I am nothing but a fat, disgusting piece of shit. But you know what? It doesn't matter if you're smart, dumb, ugly, pretty, it's all the same once you're dead! And a corpse can't laugh! Eddie. What's that? You want to talk down to me some more? Tell me to relax? You're just like the rest of them, James. No, I don't want to. Shut up! You think I'm stupid? You think I don't see it? But you've been laughing at me all along. Ever since we first met. But you ain't laughing now, are you? You need help, Eddie. Don't get all holy on me, James. This town called you too. You and me, we're the same. We're not like other people, don't you know that? Well, you're about to find out. Et dit, il a 15 ans et 50 ans en même temps. J'avoue qu'il y a un petit truc. Alors du coup on comprend, c'est que lui son démon c'est de tuer la même personne encore et encore. À chaque fois il disait qu'il ne le tuait pas, mais en fait il tue bien, bel et bien. On a 12 balles, 18. Et on n'a pas notre arme. Ok. Do you know what it does to you, James? When you're hated, picked on, spit on, just because of the way you look? Yeah, I ran away after I killed that dog. But you know what? It was fun. It tried to chew its own guts up. Finally died all curled up in a ball. Then he came after. I shot him too, right in the leg. He cried more than the dog. And now it's your turn, James. Tac, 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 tac. Où est-ce qu'il est? Ça me fait très. Il m'a fait mal, hein. Du coup, c'est encore plus flippant que l'original parce qu'en fait, on voit pas. Ah.
Ah merde. Putain, on voit que dalle. Ah, tu peux pas me voir si moi je te vois pas. Par contre, je vais peut-être remettre en, excusez, en défaut. Ah la vache! Est-ce que vous voyez là? Il ne faut pas tirer, hein. Ah si. Que dalle. Et en fait, ça fait des drôles d'effets. Là, c'est déjà mieux, là, non? J'ai perdu de vue. Aïe! Reviens là! Je l'ai eu. Oula, ok, troisième phase. Oh, je l'ai eu. Oh là 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 là. Mais non. C'est quoi ça? C'est quoi ce truc où je m'en bats les couilles? C'est quoi cette scène foirée? Allez quand même. Dans l'original, il se met à terre et il dit j'ai tué un être humain. C'est pas possible, j'ai pas pu faire ça quoi. Et là il fait... Oh, bon bah allez, on est reparti. Non, non, non. Non. Depuis la première scène de Maria, ça dépend de... Bah au niveau des cutscenes, ouais, le jeu est bon. Le jeu est très très bon, mais... Les cutscenes, ils ont rien mis dedans en fait. Ils ont... Je sais pas ce qu'ils ont branlé. Hein. Parce que là, y a rien. Ah putain, non. Pas... Bah on tue un homme, c'est normal quoi, c'est... Demi déception. Ah bah là ouais, grosse déception là. Honnêtement...
Oui, on est d'accord, c'est à l'hôtel, les pyramides. J'ai eu un gros instant de peur là. Sur la route. Et oui, c'est à l'hôtel. Enfin, c'est au lieu suivant. Oh, j'ai vraiment peur pour la fin. J'ai vraiment peur. Ils vont me niquer ma fin. Ça dépend à quel, oui, ça dépend. À voir. À voir ce qui va se passer. Oh, j'ai eu peur qu'il me fasse pas jouer. Ouais, alors par contre, ils m'ont mis direct sur le bon chemin en fait. Ah, j'espère que j'aurai la bonne fin, enfin la fin que j'attends. Ça marche, Valou. À toutes. Non. Merde. Mais non, la manette là. Ok. Eh bien, nous sommes partis. Pour la dernière section du jeu, du coup. Carte du jardin. D'accord, ok, il y a carrément une carte du jardin. Pas 15 $ la journée, bah dis donc.
Je pensais qu'il y aurait eu quelque chose, mais apparemment non. Très beau petit jardin. Pas changé en 3 ans là, mais il a changé en 20 ans. Il y a une ampoule. C'est vraiment toute une excuse. Ok. Pas d'objet. Quand le froid approche, elles quittent leur vieux nid pour y revenir un jour. Une pomme pourrie. Sol à l'est, hors de l'eau sécurisante, maintenant perdu à bout de souffle. Ça a l'air d'être bien changé. Pourquoi pas? Lakeview Hotel. On n'entre pas du tout par le même coin, j'ai l'impression. Je t'attends, 312. Ah si, ah, si, on est dans le même coin. La music box. Alors, clé de la chambre 312 et clé décorative. Ok. Monsieur James Sunderland, en ce qui concerne la cassette vidéo que vous avez laissée dans votre chambre lors de votre dernier séjour, j'ai le plaisir de vous informer que nous l'avons retrouvée mise à l'abri dans la section du personnel au niveau 1. Elle est dans le coffre de l'hôtel. Vous pouvez la récupérer dès que possible. Très bien, monsieur. On va pas tout casser. Clé décorative. Et on a encore les figurines du coup. Ok, super. Super, super. L'hôtel est très très joli en tout cas. Pour l'instant. Très très beau. La clé de la chambre 102. Et heureusement que je fouille, hein.
Vous vous souvenez du livre étrange que vous avez trouvé? Un homme très bizarre est passé il y a quelques heures, prétendant qu'il lui appartenait. Pour tout dire, je n'avais pas envie de discuter, je voulais me débarrasser de lui au plus vite. Je lui ai donc donné. J'ignore comment il savait qu'il était là. Je ne crois pas que cet homme ait fait partie des clients, je ne l'aurais pas oublié. J'arrive pas à l'oublier. Bon, logiquement, dans ce niveau, il n'y a pas beaucoup de balles, d'ennemis. Si je me souviens bien. Il y en a quelques-uns, mais... pas une zone à ennemis, donc j'espère que ça a été respecté. Élévateur, oh, ok. Putain de merde. Did I scare you? Oui. Yeah, you did. I guess I deserved it, huh? The fart face that I am. Maybe. Then again, maybe you're not so bad. Just annoying. Uh-huh. So, you got any other things planned? I think I saw a dark room back there you could lock me up in. No. I think you've had enough. For now. Well, that's reassuring. Besides, I need your help finding Mary. She's here, isn't she? Come on, tell me. I wish I knew. But she said it in her letter. Wait. So there really is a letter? Oh. Yeah. Wanna read it? Just don't tell Rachel, okay? Who's Rachel? She's our nurse. I took it from her locker. My dearest Laura, I'm leaving this letter with Rachel to give to you after I'm gone. I'm far away now, in a quiet, beautiful place. Please forgive me for not saying goodbye before I left. Be well, Laura. Don't be too hard on the sisters. And Laura, about James. I know you hate him because you think he isn't nice to me, but please, give him a chance. It's true, he can be a little surly sometimes, and he doesn't laugh much. But underneath, he's a really sweet person. I love you, Laura. I love you like my very own daughter. I wish things were different. I wish we could be happy together, like we talked about. Even so, I know you will have a good life. You're a strong, smart, beautiful girl. Happy 8th birthday, Laura. Your friend, Mary. Laura. How old are you? I turned 8 last week. That means Mary couldn't have died 3 years ago. Could she really be here? Is this the quiet, beautiful place she was talking about? Me and Mary talked a lot about Silent Hill. She even showed me all her pictures. She really wanted to come back. She also talked a lot about you, you know?
She even... What? What is it? Well, it kind of was his other letter. I think the one was for you. The envelope had your name on it. Did you read it? I wanted to. This one time, I almost did. Figured you didn't deserve to have it. But then I thought, Mary wouldn't want me to keep it from you. So I just sort of kept it for you. Here. It's empty. Laura, there's nothing in it. What? But I didn't take it. I swear. Well, where is it then? I must have lost it. I gotta find it. Laura! Okay. Un petit dessin d'un chien et une souris. Comme c'est joli, Laura. Ok. Intermezzo. That's only. Laura. Ok, alors là normalement tout est pas bon. Je peux aller par là. Salut Sayam! Comment ça va? Tu m'as fait peur, dis donc! À les mémoires de Shane Mitchell. Sa famille a le regret de vous annoncer son décès. Ses obsèques se tiendront à l'église Sainte Stella à Southvale, angle de Nathan Avenue et Neely Street, à 11h après la cérémonie. Petite nana, ok. Bon, ils ont rajouté peut-être pas mal d'ennemis. Hein. Bah écoute, ça va tranquille, hein. Ça va tranquille. J'espère pouvoir finir. Alors ça, c'est... Oui, la chambre 102. J'espère pouvoir finir le jeu dans cette session.
Ok, donc c'était une salle. Donc annexe, on va dire. Ok. Il faut pas que je loupe des choses. Oh, par contre, c'est wow. C'est beau, hein. Ouch. Qui met des putains de balles de pistolet dans sa chambre d'hôtel, quoi? À croire que c'est normal. Moi. Oui, mais toi, ça m'étonne pas. Alors, où est-ce que je suis là? Débarras. Hop là, esquive. Esquive, mon pote. Vous me faites plus peur. C'est fini, ça. C'était au début. Alors. cent cinq et 104 que je n'ai point vu. J'allais dire c'est fermé, mais non. Regarde. Ah non, c'est une photo là. Allez! Aftermath, conséquences. Attends, ça, je ne comprends pas encore ce que c'est. Hein. Ah bah là, c'est des balles carrément dans le placard de la salle de bain, au moins. Normalement, là où on met du soin, et bah eux, ils mettent des balles. Ok, je suis. C'est la chambre 312. Et là, c'est la 107. Ok. Et ben la voilà, non? Clé de l'aile aube. La lierre grimpante semble avoir un parasite. Il faut le séparer des autres plantes ou elles mourront toutes. Le lierre grimpant semble avoir un parasite. Ok. Et il est où le lierre grimpant? Il n'y a pas marqué.
Est-ce qu'on descend? Message au personnel, n'oubliez pas de nettoyer la cheminée dans la salle de conférence. Ah, merci. Je vais la nettoyer. Les ou au nettoyage. C'est parti pour un bon coup de nettoyage, les amis. On est dans Viscera Cleanup. Cassé ou... Qu'est-ce qu'il me montre? L'ampoule? Sunset Wing. Oh. Et Chicken Wings. Room 211 et 217. Sunrise. C'est là. Oh non, 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 non. Non, non, non. Tout, mais pas eux. C'est trop beau. À 202. Qui va se réveiller? La salle de conférence. Ah bah non. Il y en a bien un qui va se réveiller. Ah, d'ailleurs, j'ai capté un truc tout à l'heure et sur la manette, c'est il y a mon état de santé. Là, c'est en vert et ça passe au rouge clignotant quand je suis en danger. Ouais, sympa. Là, c'est passé en jaune. Regardez. Là, c'est passé en jaune parce qu'à mon avis, je... Ouais, je boite. Et là, ça repasse en vert. Oh, une pomme mûre. Ouais, sympa ça, ouais, c'est... C'est tout bête, mais ça fait plaisir. Ça aussi. L'aide de la maître qui devient utile, ouais, j'avoue. Alors où est-ce qu'il est, lui? Il va être au plafond. Une infirmière. Rien que ça. Dossier patiente MSS. Confidentiel. Bah ouvre, non. Il veut pas.
MSS, qu'est-ce que ça peut être? Tant de violent, je lui aurais fait un câlin. On va continuer par là. Dans l'arène. Ouais. Prendre son envol. On récupère des livres. Il va s'instruire, notre James. Révélation. Twilight. Bah, arène, ça. La chute du roi. Attendez, c'est quoi les livres? Attendez. Il y a un ange. Ange, taureau, lion, aigle. Ange, taureau, lion, aigle. Ou l'inverse. Ange, taureau, lion, aigle. Ange, taureau, lion, aigle. Allez, allez, connard! C'était un effet miroir qu'il fallait faire. Photo numéro 2. Photo numéro 3, 217. On met une pomme. Bon, je sais où est l'ampoule déjà. Help. C'était quoi déjà le mot? Je sais plus ce que c'était le code de la dernière fois. Photo numéro 1. Dick. Non, c'était pas ça. Desk. Ah oui, desk. Il s'en souvient. Hein.
Ah, c'est plus desk. Dommage. On n'oublie pas qu'il y a des ennemis ici. Et où? Salut. C'est beaucoup de signes là. Ok, ça passe. Il est où? Mais non, je l'avais esquivé. Allez, ouvre. Allez. Du coup, il y a quelqu'un là. Allez, chie-moi dessus. Parfait. J'ai l'impression que c'est fort le... Quand des balles, Valou est passé par là. Pardon. Mille deux cent sept. Quelqu'un qui pleure. À tes souhaits, merci. Enfin quelqu'un de gentil sur ce live. À tes souhaits. Ah, merci. Enfin quelqu'un de gentil sur ce live. Des bisous. Des bisous clubby. Des clubby bisous. Alors, mes petits potos. Et Clubby Kiss. Ah ouais, c'est joli ça, c'est plus joli. Salut.
201. Putain, toutes les chambres sont ouvertes. Et je vais avoir bon live à toi, mon beau jeune homme. Et ben merci beaucoup, Sayam, et une bonne nuit à toi, et des bisous surtout. Des clubby kiss, comme dirait mon Valou. Et merci d'être passé, mon ami. Et c'est toi le beau jeune homme, tu le sais. La 202, je l'ai. Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle. Retire la peau brillante, vois la chair qui pourrit en dessous. Oh yes, un puzzle. Je suis fort en puzzle. La plus belle, c'est Clubby. Merci. Très très gentil, ça. Ça pas... Ah bah voilà. Voilà, il manquera plus qu'une qu'un bout à avoir. Mon beau miroir. Ah bah. C'est pas compliqué. J'arrive où il y a quelqu'un qui a contrôlé ma manette là. Et une pomme mûre. On va pas mettre la pomme pourrie quand même. Et ça a fait quoi? J'aurais peut-être dû mettre la pomme pourrie. Là tout est bon, il me restera juste le miroir de courtoisie et on peut aller donc de l'autre côté. L'aile des infirmières là. Ah mais attendez, il y avait un étage. Peut-être voir. Non, pas non, on peut pas voir. On va se faire une petite sauvegarde honnête. S'il veut bien. James Sunderland. Là, je dégomme tout le monde à coup de balle, hein. Je vous le dis. Je vous le dis direct. Au bout d'un moment, faut arrêter quoi. Employé élévator. C'est de la chambre 312. Ouais. J'arrive ou il est parti dans une chambre? Il est parti faire dodo. Il est pas parti faire dodo par contre. Et il y a l'autre derrière moi là.
maintenant. Alors, je pensais que l'autre était venu du coup. 211, ok. Tout est fermé. Oui, il est bien passé dans la chambre du coup. Putain, l'enfoiré. Et le pire, c'est qu'il n'y a rien dans la chambre. C'était quoi ça déjà? Ah, c'est Cendrillon. Enfin, c'est le, les, ouais, les, si, c'est Cendrillon. C'est les anciens. Tu te rappelles des sonnets, enfin des. De l'énigme. Avec les danseuses. C'est... Oh mon. Oh, horrible! Ok, donc on va monter. Ah, la salle de conférence. On va pouvoir nettoyer. La cheminée. Déjà fouillé. Belle table. Et positive. Il n'y a pas de cheminée dans leur salle de conférence là. Ah si, elle est là. Message au personnel, puisque vous mettez autant de temps à rejoindre la salle de conférence, profitez-en pour passer par la chambre 107. Je vous laisse la clé, l'un des clients y a fait un sacré bazar. Clé de la chambre 107. Et j'ai pas ce qu'il faut pour ouvrir la cheminée. Là, c'est bon. Il est où, il est où, il est où, il est où, il est où? Pas dérangé. Oh, incroyable. On va pas y aller là tout de suite. J'ai pas tout fouillé. Ça a l'air là. Oh. F, ok. Oh, il m'a saoulé, hein. Ah putain. Boulon. Ah bah c'est parfait. Pour en bas en plus.
Et ben on avance bien. J'aime beaucoup. Ça me rappelle les appartements là. J'avais beaucoup aimé le niveau. C116, on peut pas. Ouvrir 215. Voilà, allez, on prend le raccourci. Ok, on va pouvoir continuer et aller bas dehors du coup. Cage. Non, il veut vraiment pas ouvrir ici. Un livre. Et ça tombe où ça? Je sais pas. On va aller voir en bas. Il faut que je récupère le coupe-boulon aussi. Ça, attendez, c'est dans la salle, je crois. Où était Laura? Ici. J'ai l'impression. Ouais, c'est bien ça. Un ouvre-boîte. Ah, le fameux. On va aller dehors. Et du coup, juste une petite question que je me pose. Ça fait quelque chose ici? Non? Je sais pas ce que ça a fait d'avoir résolu le miroir là. Là, il y avait le coupe-boulon. On va pouvoir récupérer l'ampoule. Grand à l'ouest, tenté. Ok. Ensuite, on avait la clé de la chambre 107. On va aller dans la chambre 107 qui était, et je ne dis pas de bêtises, par là-bas. C'est ça, tout au bout. Je me repère, hein. Vous avez vu ça? Ça sent l'ennemi. Putain. Thank you.
peu chiant ça parce que il y avait plus personne. Et là ils reviennent. En 7. Message au personnel, tant que vous y êtes, ramassez les feuilles dans le jardin, ensuite il faudra reprendre le nettoyage de la cheminée. Ne vous avisez pas de vous tourner les pouces. Qui ferait ça? Franchement. Ok. On savait connaître ces petits ennemis de merde là. À se cacher un petit peu partout. Comme des bourriques. Beaucoup ce qu'ils ont fait avec avec le niveau là, beaucoup d'extérieur et tout ça là. La clé de la cheminée, parfait. Et il est caché dans les feuilles lui, hein. Ok, donc là, on est bon. On va aller à la cheminée. Oh non, mais non. Oh non, mais je viendrai pas. Ding dong. Petite sauvegarde. Je sais même plus où était la cheminée. Je crois que c'était là. Ouais. Yes, la figurine de Cendrillon. Qu'est-ce que c'est? Ouah, merde!
carrément. De merde. C'est bon? Je veux pas en voir de lui encore là. Ça, nouveau du coup. Eau de peinture. Ça tombe bien. Eau de peinture ouvert. Je l'ai fait au hasard. Ok, donc maintenant... Il faut que j'aille en bas. Et je crois que c'est de l'autre côté, dans la chambre, la salle de lecture, ok. Donc direct, hein, c'est ça? Did done. Ok, plus rien à voir. Clé. Clé de l'ascenseur de service. Ok. La chambre 201, il y a quelque chose que j'ai pas fait. Oh putain, j'ai loupé la figurine de Blanche-Neige. Waouh, heureusement que... Quoi ? Quoi, 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 quoi ? Putain de merde ! J'ai failli me pisser dessus. Véridique. C'était intense là.
C'était intense. Ok, j'ai Blanche-Neige, j'ai machin. Ascenseur de service. Ascenseur de service, c'est de l'autre côté. Ok. Voilà! On y est? Environnement qui change. Trop bien. Bon, bah là, vous savez ce que c'est. Il faut enlever tout ce qu'on a. Vous n'avez pas d'objet. Parti. Oh merde. Oh non, il y a des ennemis comme ça. Ah bah là, c'est méchant là par contre. Electronic System. Je suis Johnny, un gars plutôt chaud. Alors là, par contre, c'est méchant. Putain, il m'a vu. Ils m'ont grillé. Je vois rien. Elle est là. Pas d'objet, ok. Ouais, y a quoi? C'est quoi tout ça? S'ils peuvent pas entrer dans les pièces, ça me va. Ok, gemme rouge. Je vois que dalle, hein. J'y vais à l'aveugle là. Ok, donc là il faut. Ouais, après c'est pas si grand que ça, donc ça va. Salut! Rien ne fonctionne, ça ne part pas, il faut commander des draps. Putain de merde! Autre figurine. Un lapin. Une gemme bleue. Passer là, mais une boisson au cas où. Très très stressant là. Salle de plonge.
Ah, il y a une gemme. Ok. Vite. Salut. Encore fini le jeu. Vestiaire. Le oui, ouais, ça a été un petit peu rallongé là. Bon, ouais, bah après, là, je sais pas en fait, pas tant que ça. Hop, ça a été changé, c'est surtout ça. Oh putain! Oui, viens là. Alors, ce qui est bizarre, c'est que la boîte de gemmes, ouais, ok. Quel dessin qu'il faut que je fasse? Ça m'a l'air d'être joli ça. Pas joli ça? Ici, c'est joli. Ah bah voilà. 14-14. Alors 74-14. Je veux vite finir cette partie là. Cassette vidéo et clé du sous-sol. C'est pas fini. Chaufferie, réserve d'alcool, salle de maintenance, ok. Ça me fait peur, j'ai pas de lampe, j'ai rien. Pas de quoi me défendre. Il me manque la valve, bien évidemment. Elle est là. Vraiment stressant, hein. Ils ont réussi leur truc. Oh putain de merde. Je suis... Ouais.
Un coup était dead. Hein. Enfin, deux coups et était mort. Pas le choix, j'utilise. Clé du bar Vénus. Ouais. Et OK. Encore une valve, putain. Va me donner du soin là. Ah bah attends, j'ai juste à reprendre cette valve. Ok. Oh, de la sauvegarde. Mieux vaut partir. Ok. Et la figurine de la petite sirène. J'ai tout. Juste dans le jukebox avec de l'eau et tout, stylé. Des hameçons. L'aquarium qui s'est pété. Pas mal. Et là, c'est le miracle. On est revenu. Ici. Et l'ascenseur. Là, je peux aller reprendre mes affaires. Ils sont, si je ne dis pas de bêtises, ici. Ah.